Oh, eh bien bonjour à tous. Ah, je suis content, vraiment content de pouvoir faire cette petite vidéo aujourd'hui parce que voilà, je dois partager mon expérience. Oui, bon, vous savez qu'on est en confinement, mais enfin bon, c'est pas ça mon problème. Moi, c'est vrai, depuis quelque temps, là, ça n'allait pas du tout. Avec les gens qui m'entourent, que j'aime pas, au travail, puis dans mon environnement, j'ai pas d'amis, bon, à part Sean, bien sûr, avec qui je suis. Et puis ces derniers temps, ça n'allait pas du tout. Ça me travaillait, je savais plus quoi faire. Et donc Sean m'a dit, écoute, Gérard, il faut que tu voyes quelqu'un pour t'aider. Donc voilà, et bien écoutez, c'est ce que j'ai fait. Il a trouvé quelqu'un, on est allé voir cette personne. En tout cas, moi, je suis allé, hein. Et puis j'ai vu deux trois fois, c'est un psychiatre et vraiment le courant passé. Et puis là j'ai vu au bout de la troisième fois, il me dit vraiment, on a beaucoup parlé et puis il me dit, écoute Gérard, j'ai la solution à ton problème. Voilà, tu as des problèmes avec les personnes qui t'entourent, donc voilà ce que tu vas faire. Tu vas écrire une lettre à toutes les personnes que tu n'aimes pas, qui sont méchantes avec toi, ou je ne sais pas, en tout cas, avec qui tu ne t'entends pas, et tu les brûles. Voilà. Au début, je me dis, ben, pourquoi? Bon, en fait, quand même. Bon, et puis je me suis décidé. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Puis, oh, ça m'a pris du temps, mais j'ai pris ma plus belle plume, j'ai écrit mes lettres, j'ai vraiment dit tout ce que j'avais à dire, et puis, j'ai fait comme j'ai fait, je les ai brûlés. Vraiment, et moi, je vous conseille parce que c'est un renouveau, c'est comme si une nouvelle naissance. Vraiment, c'est super. Bon. Oui, bon, le seul problème, c'est qu'il m'a pas dit ce que je vais faire avec les lettres après tout ça. En fait, bon, j'ai toujours les lettres, je vais voir. Peut-être que je dois les jeter, je ne sais pas. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh oh, oups. Ok, je vais vous laisser, hein. Je dois partir là, je dois y aller. Bye bye.